la foire de Béré, ses exposants, ses animations, ses manèges, et puis sa messe. La messe de la foire a été une nouvelle fois célébrée en plein cœur de la fête foraine cette année. Une messe animée par un prêtre de la paroisse Sainte-Croix de Châteaubriant. En fait, ça fait que 3 ans que je suis là. Donc la première année, j'étais à la foire et il y avait une messe à ce moment-là qui était célébrée à l'église Saint-Jean de Béré à côté, à 9h. Et Saint-Jean-de-Béré, c'est un tout petit peu loin pour certains forains. Et puis 9h, c'est un petit peu tôt pour la plupart des gens. Donc je me suis dit, il faut décaler l'heure et il faut décaler le lieu. Donc on a fait à 11h et on a fait au cœur même de la fête, avec grâce à l'autorisation du comité de la foire, des gens qui tiennent le manège. Et donc voilà, l'an dernier, première édition. Et cette année, deuxième d'une très longue série. Mais les artisans de la fête ont le sens religieux assez développé de façon générale, en famille, des traditions, etc. Donc on passe les invités la veille, on distribue des invitations à tous les forains, on est toujours très très bien reçus, ils comprennent ça. C'est quelque chose qui ne pose pas de problème, au contraire. Cette date-là est depuis 963 ans la date de la foire de Béré, c'est parce qu'elle est la plus proche de la fête de la Sainte-Croix, qui a donné son nom récemment à notre paroisse, qui se trouve comme ça à l'ombre du prieuré, ce qui explique également la couleur rouge des ornements, qui n'a pas été choisie uniquement pour être en harmonie avec les couleurs toutes rutilantes qui nous accueillent. Même si ça va bien, j'en conviens. C'était déjà, ça se préparait comme une messe. Donc une messe, finalement, ça c'est facile parce que c'est tous les dimanches la même chose. Mais en plus, il fallait quand même penser à ce qu'elle allait être célébrée dans un cadre moins habituel. Donc d'un point de vue matériel, il y a des petites choses, mais avec des gens parfaitement compétent, bien plus que moi, qui arrive avec les petites tables qu'il faut, les cales qu'il faut, la mairie qui rajoute les chaises, la sono, le monsieur des autotamponneuses qui nous file aussi sa sono, donc aucune complication. Ce qui est très beau et très fort, c'est de retrouver tout ce rapprochement d'abord entre la paroisse et les forains. Ici, sur le site de la foire de Béré, pour mettre en commun, marcher, faire un petit bout de route ensemble, dans la joie, la bonne humeur, et pour faire évidemment accueil à tous ceux de nos amis forains qui ont été invités hier soir par une équipe paroissiale à venir se joindre à nous aujourd'hui. Et c'est un moment vraiment de très grande joie, surtout en plus quand le soleil est là et qu'il donne un petit peu, rehausse encore un peu plus la tonalité de la fête. Demandez à quelqu'un de Châteaubriant si la foire de Béré est un événement dans l'année, il vous répondra oui. Donc moi, à titre de curé, déjà la foire de Béré, je trouve que c'est un événement. Et pouvoir, au cœur de cette foire, célébrer ce pourquoi la paroisse existe et ce à partir de quoi elle trouve son sens, c'est-à-dire la messe, je trouve ça génial. Une messe très suivie encore cette année, messe à laquelle la chorale de Châteaubriant avait été conviée.